Chers amis, salam alaykoum wa rahmatullah, marhaba bikoum fi un nouveau tuto jdid. Diom nahki pour une deuxième vidéo. Kan qabl hkit ala comment faire changer la peau d'un panjo. Et la qualité de la vidéo elle était un peu médiocre. J'essaierai diom ndir une nouvelle vidéo ala le même sujet, mais en plus de détails, en allant au bout des choses. Pour que vous compreniez exactement comment il faut changer la peau d'un manjo. Donc premièrement, il faut avoir le plateau. Donc le plateau en trois composants. L'anneau autour duquel la peau va tourner. Le châssis du manjo, cerceau. Et le cerceau qui vient par-dessus. À fleur ou bien fermé selon le goût des gens. Voilà. Et bien sûr les boulons qui vont maintenir et maintenir le cerceau du haut pour serrer la peau. Et bien sûr la peau de chèvre, le parchemin plutôt, le mot exact c'est parchemin de chèvre. Là j'ai une pièce c'est une chèvre en fait entière. Bon, il y a des défauts, il y a des trous, il y a des zones un peu tordues. Mais bon, on va sélectionner une belle tranche pour faire. Dans une première étape, on va commencer par prendre le cercle. Je vais essayer de trouver un côté pour la peau. Je vais choisir ce côté-là. Voilà. En fait, ça c'est le centre de. C'est l'arrêt du dos de la chair. Et là, c'est la partie vers le ventre. Là, c'est la partie vers le ventre. Donc, je commence à. Voilà. Je commence à tracer. De préférence avec un crayon, parce que le crayon, une fois la peau mouillée après, ça va partir. Il vaut mieux éviter de faire avec un stylo feutre ou un truc comme ça, parce que ça va rester après. Voilà. Donc on va découper plutôt un peu plus à l'extérieur du trait, pour avoir encore une petite marge. Donc voilà la peau une fois découpée, en gros. Il y aura toujours des défauts. Par contre, il ne faut pas que la peau elle comporte des trous. Et il faut qu'elle soit plus ou moins fine. Je vais vous dire l'épaisseur de cette peau-là. Cette peau, elle fait 0,2 mm. En ce qui concerne l'épaisseur, je ne sais pas, est-ce qu'il faut être à 0,1, à 0,2 ou un peu plus moins de 0,1. Je suis encore en phase expérimentale pour le moment. L'essentiel, que votre peau, il ne faut pas qu'elle comporte des micro-trous. Parce qu'une fois mouillée, ça va apparaître. Et une fois que vous allez tendre la peau, ça risque de se déchirer. Donc pour mouiller votre peau, essayez d'utiliser un évaporisateur comme celui-là. Et vous mettez de l'eau beaucoup plus sur le côté chair, parce que celui-là c'est le côté poil. Parce que le côté chair, vous pouvez plus rapidement l'humidifier, alors que le côté poil, il est assez imperméable. Je commence à évaporiser. Alors la température de l'eau, il ne faut pas que ça soit trop chaud, parce que si c'est vraiment chaud, ça va crisper votre peau et vous allez perdre une peau pour rien. J'essaye petit à petit d'appliquer de l'eau. Bien sûr, vous pouvez le faire sous l'eau du robinet en réglant la température. Voilà. Donc une fois que la peau elle est bien humidifiée, voilà le résultat. En fait, elle devient pas cassante du tout, très flexible. Voilà, le tuto d'avant pour le changement d'une peau de banjo,
Effectivement, j'ai juste fait une démonstration en fait avec une pose sèche cassante, mais là vous pouvez voir, pardon, elle est assez molle, assez souple, elle n'est pas cassante du tout. Moi je vais un peu la sécher pour ne pas juste mouiller le tapis. Voilà, je vais juste passer un peu de papier absorbant dessus. En fait, une fois qu'elle garde l'humidité, c'est tout bon. L'objectif, c'est qu'elle devienne flexible, c'est tout. Que ça casse pas et ça se déchire pas. Et voilà la peau prête à être installée sur le plateau. On arrive vers l'étape de montage de la peau, bien sûr, après avoir enlevé l'ancienne peau, etc. Il vous faudra un point clé, c'est l'anneau. Cet anneau-là, c'est moi qui l'ai fait. J'ai acheté une tige de cuivre et j'ai fait le cerclage là. Je fais le galbe là. Et maintenant, je vais l'utiliser. En fait, là, c'est pas un bout de scotch qui tient, mais en fait, je vais enlever le bout de scotch pour vous En montrer. fait, j'ai fait une sorte de tenon mortaise. Voilà. Avec un clou au milieu en cuivre pour tenir le tout. Je vais mettre après un petit bout de papier, en scotch papier, pour ne pas agresser la peau. C'est un petit astuce que j'ai fait moi-même pour éviter, parce que j'ai pas une soudeuse, etc. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de prendre le côté poil de la peau, bien sûr le mettre à l'extérieur, parce qu'il est un peu plus, beaucoup plus résistant à l'abrasion, etc., de la main, du jeu, et le côté chair à l'intérieur, face intérieure, comme ça. Voilà. Et bien sûr, en fait, au début, on a tendance à mettre ça comme ça, l'anneau, et recourber ça par-dessus, et passer l'anneau comme ça, et mettre ça. Alors que après, au niveau, lorsque vous allez couper l'excès, je vous montre, je fais un exemple, hein. Voilà. Imaginez que l'anneau, il a passé. Et la peau, elle va rester comme ça. Voilà. Et là, lorsque vous allez couper, vous risquez de couper la peau, en fait. Pour éviter ce risque et pour avoir une surface d'appui, moi, je préfère mettre la peau de cette manière-là, passer l'anneau, mettre le plateau du haut et de l'autre côté, par derrière. Il y aura la peau ici, l'excès. Déjà, c'est vers la face cachée. Et lorsque vous allez couper, vous aurez le métal en appui pour le cutter. Vous allez pouvoir faire une découpe nette. Et même s'il reste quelques excès, c'est pas grave, ça se verra pas. Voilà. C'est ça l'objectif. Donc après chacun comment il va manier la peau, comment il va trouver ses astuces. Il y en a qui mettent du scotch, il y en a qui mettent voilà. Moi je vais essayer d'accélérer un peu la vidéo et me débrouiller et voilà et voir comment je vais y arriver. Si vous avez des astuces là-dessus, n'hésitez pas à la partager comme ça on apprend ensemble. Voilà. Donc je commence à mettre les vis.
L'objectif, c'est de serrer petit à petit et essayer de tendre à la main la peau par en bas, en fait. J'essaie juste d'accrocher les vis, le bout de la vis. Je vous conseille aussi que la partie basse du plateau du haut, essayez de la pincer bien comme il faut et de l'arrondir pour ne pas déchirer la peau aussi. Il faut s'assurer que l'anneau sur lequel la peau elle fait le tour, il faut s'assurer qu'il passe à l'extérieur du plateau du bas, à l'extérieur. Sinon, s'il reste à l'intérieur, ça va couper la peau en fait. Et j'essaye aussi de tirer la peau pour que ça ne fait pas des plis. J'essaie de montrer comme ça pour enlever les plis. Retirer. Vous aurez des plis comme ça, par exemple. Il faut tirer pour que ça parte, quoi. Voilà, une fois tiré, voilà. Une fois que vous faites le tour et vous voyez qu'il n'y a pas de pli, que l'anneau il est sorti et il est à l'extérieur, là, comme dans ce cas-là, il est à l'extérieur, sur tout le tour, c'est que c'est bon. C'est que votre peau, elle est bien installée, prête à être serré, c'est tout. Et voilà l'excès qui vous reste à la fin. Bien sûr, la peau elle est toujours mouillée. Après, ce pli-là, il va être coupé au cutter tout autour là. Et vous n'allez pas avoir un risque de couper la peau. Et de ce côté-là, ça va rester net et clair. Il n'y aura pas de. Si on a choisi la première méthode, sûrement on aura des retours par là, en fait. Des excès qui vont sortir par là et ça serait moche au niveau visuel. Maintenant, on va essayer de serrer avec une clé à cliquer un petit peu pour que ce niveau-là descende un peu du plateau supérieur, qu'il descend un petit peu. Et on sent que la peau, parce que là, elle est vraiment tendre. On n'entend rien. Mais je vais essayer de la serrer un petit peu pour que ça se tende juste un peu. Et je vais la laisser sécher pendant quelques heures. Et une fois séchée, une fois bien sec, toute l'humidité est partie. Là, je la serre définitivement. Et ça, c'est une deuxième partie de serrage et de réglage de la peau. Je commence à serrer petit à petit. En fait, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, chacun il peut faire comme il veut. Il y en a qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Selon votre manière de travailler, c'est pas important pour cette étape-là. Je regarde la peau. S'il n'y a pas d'anomalie, il faut aller doucement, mais sûrement.
J'essaye de faire un tour et revenir pour voir l'état de la peau, si elle est bien serrée ou pas. Bon, ça commence à se tendre un peu. Et l'anneau est toujours bien installé, pas sorti. Très bien. Allez, je continue. J'ai équilibré un peu le réglage. Et là, la peau, moi j'estime à cette étape-là, il faut arrêter de serrer et laisser la peau sécher tranquillement. Voilà, jusqu'à ce qu'elle devienne craquante, quoi. Et une fois qu'elle est bien sec, là on commence le serrage final pour régler la tension de la peau.